l'éco-acoustique, c'est écouter le milieu naturel, aussi bien terrestre que marin, en y plaçant des micros afin de savoir quelles espèces animales sont présentes, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles et comment est-ce qu'elles interagissent avec leur environnement. Qui sont particulièrement touchées par la pollution sonore, c'est typiquement les zones du littoral qui sont directement en contact avec les grandes villes, avec les activités humaines, le transport maritime et aussi touristique. Et les bébés poissons, les larves, se servent des indices acoustiques dans l'environnement pour se repérer, pour s'orienter, pour trouver l'endroit dans lequel elles peuvent s'installer pour grandir. Et donc, s'il y a trop de bruit, elles vont être complètement désorientées, elles ne trouveront jamais les endroits propices à leur développement. Et donc, on aura encore une fois des populations qui vont décroître à cause de ça. On va tout de suite réduire le bruit en réduisant la vitesse des bateaux, par exemple, en entretenant mieux son moteur, en utilisant des moteurs électriques ou hybrides à la place de moteurs thermiques. Donc on pourrait fermer des zones, ne pas donner accès à des zones à certaines périodes de l'année, en particulier au moment de la reproduction de telle ou telle espèce.